Salut les amis, 24 juin, on se voit pour faire la comparaison des tomates F1 et non F1. J'ai planté les deux et vous les allez voir qu'au seuil, au stade, pardon, de la plantation, il y a déjà une grosse différence. Donc là, mes tomates F1 font à peu près 1,80 m. On est le 24 juin. Elles ont été plantées, enfin, elles ont été semées le 20 mars et plantées le 5 mai. Donc on va aller voir la différence. Donc déjà bah, la taille, hein, clairement. Hein. Les grappes, elles sont vraiment magnifiques. Ça fait, il y a des grosses grappes. Tout ça c'est du F1. Tout ça c'est du F1. Il y a beaucoup de tomates sur les grappes, quoi. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 tomates sur les grappes. Il y a vraiment des belles tomates. Et là, je les fais monter jusqu'à 2 mètres sur les poteaux. Voilà. Donc tout ça c'est du F1. Ça pareil, regardez. C'est du F1. Là, le deuxième niveau. Là-bas, c'est pareil. Magnifique. Là, on voit un troisième ou quatrième niveau. Il y a au moins 10 tomates, pareil. Et là, on voit les fleurs. Mais il y en a. Voilà. Donc, elles sont plus hautes et il y a plus de tomates par pied. Là aussi, tout ça, c'est des F1, pareil. Celle-ci, là. Pareil. Nickel. Tout ça, au niveau, c'est des. Au début, c'est des F1. Je les ai mis au bord pour pouvoir justement bien les comparer. Donc là, l'année prochaine, hein, je vais généraliser les poteaux de 2 mètres parce que les petits, là, c'est ridicule, hein, c'est risible hein, quand on voit comment ça monte vite. Donc là, j'ai tendu des cordes pour essayer d'accrocher un petit peu au-dessus d'un mètre 80. Voilà, on verra ce que ça donne. Pas trop de maladies, hein, j'ai taillé un petit peu en dessous, là, dessous les pieds pour éviter l'humidité, ce que je me suis fait avoir à nombreuses reprises. Pas trop de maladies pour l'instant, un petit peu les feuilles en bas, on voit, voilà, un petit peu de mildiou, bon, à surveiller. Sachant que j'évite de traiter, vraiment j'ai traité une fois en 10 ans, j'aimerais bien ne pas traiter. Alors maintenant on va aller voir les tomates qui ne sont pas F1. Donc là voilà, on a sur les tomates tous les rangs qui ne sont pas F1. Bon, il y a quand même aussi des belles tomates, mais elles sont beaucoup plus petites. Hein. Elles font aller au maximum 1,40 m, 1,50 m. Voilà. Là, on voit bien la différence. Devant, c'est des non-F1 et derrière, c'est des F1. On voit bien qu'il y a 30 à 40 cm de différence. C'est clair. Hein. Il y a moins de grappes. Il semblerait qu'il y a moins de grappes et moins de tomates par grappe. Bon, quand même. Faire tout. Quand même des tomates là, pas de problème, il y en a, hein. Et il y a aussi un peu des traces de maladie. Donc au niveau maladie, pour l'instant, c'est identique. Là, on revient là-bas sur des F1, on voit qu'il y a des grosses grappes de partout. Voilà. Voilà un petit peu les amis pour la comparaison. Donc en conclusion, plus de tomates par grappe, plus haute et plus d'étages. Mais normal puisque c'est plus haut. Donc plus productif pour l'instant. Et au niveau maladie, c'est kiff-kiff. Voilà, les amis. Allez, à bientôt pour la suite. On finit avec un petit tour du potager. Et des belles images. À plus.